Je suis interviewé, j'y crois pas. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle les tank drums. Tank pour récipient et drum pour percussion. Donc c'est moi qui les fabrique. C'est des instruments à percussion, on va dire méditatifs, ouais. Accordés en 432 Hz. Et je les fais à la main de A à Z. Pendant 3 ans, j'ai fait ça sur des bouteilles de gaz. Et au bout d'un moment, on s'essouffle parce que la bouteille de gaz, c'est jamais pareil, c'est jamais le même métal. Et pour évoluer dans le son, on a besoin de passer sur un autre métal qu'on connaît et qu'on va rencontrer. Tous les jours le même. Là j'ai commandé des fonds bombés, choisi la charge en carbone, l'épaisseur, le diamètre, le volume, et ça me permet un peu d'améliorer mon concept, quoi. D'où un peu les nouveautés que tu vois ici aujourd'hui. Oh, tu es installé sur Uzès, c'est ça? À côté, Saint-Marcel-de-Carréré. Ouais. Ouais, mais juste à côté d'Uzès. On a bien chaud, ouais. Dans les arbres. Dans les arbres, presque. À côté de Saint-Laurent-les-Arbres, du coup. Ouais, voilà. Ouais. Exact. Ok, bon bah écoute, si on veut te passer commande, on va sur ton site internet. Exactement, osbdrum.com. Voilà. Et voilà, ou sinon tu m'appelles, tu dis allô, j'ai besoin de quelque chose et tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on peut voir si tu as besoin d'une commande personnalisée, tu peux choisir un peu ta gamme musicale, ouais. Un peu la couleur générale, une gravure éventuelle, simple ou double face, etc. Quoi. Ok. Voilà. Bon bah super. Merci beaucoup. Oh, ah, la pression que ça a mis, c'est un peu. Oh, 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 o